Pourquoi tu le regardes? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Mais rien du tout. T'as vu Marie? Marie, rapprochement. D'accord. Zéro rapprochement? Je vais raconter l'histoire. Elle a dit, d'abord, elle a juste dit qu'il y avait zéro rapprochement. Oui, mais c'est pas grave, ça. Elle dit ce qu'elle veut. Quoi? Elle dit ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. À Saint-Barth, ça s'est très bien passé. Mais le glaçon s'est transformé en volcan. Ah. Le glaçon s'est charlé. Non mais déjà comme c'est ça. On laisse parler. Julien, il voulait à tout prix mettre à l'aise Shirley parce qu'on la sent un peu tous un petit peu à l'écart, un petit peu désorienté. Et Julien a fait son travail de médiateur. Il l'a très bien fait d'ailleurs. Très bon, ça s'applaudit. Shirley, au début, l'envoyait dans les corps. Et tempête sur tempête. Au final, petit à petit, elle s'est calmée. Et finalement, il n'y avait que trois chambres. Du coup, j'ai dormi avec Manu. Fanny et Nani ont dormi ensemble. Et du coup, Julien et Shirley ont dormi ensemble. On pensait qu'ils allaient juste dormir, oh mais non. On pensait qu'ils Qu'est-ce allaient juste dormir. Qu'est-ce que t'as fait, une blague? Oh, 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 je suis tellement étonnée. Mais on s'y attendait de fou. À travers la fenêtre, j'ai vu cette jeune fille Shirley, qu'on ne juge pas, on accompagne, cette jeune fille sans soutien-gorge. Alors, je finis l'histoire. Non. Ce qui s'est passé, c'est que entre Julia et moi, on s'est fait un massage qui a duré 3 minutes. Ouh. D'accord. C'était chaud ou pas? Non. C'était chaud. Beverly, ça c'est massage. Ouais. Mais quand je vois Julien en caleçon boxeur moulant sur les fesses de Shirley, elle était comment? Qui était en sous-vêtements très très sexy. Ah ouais, là ça va trop loin. Avec de l'huile sur le corps, c'était caliente que j'étais gênée. Moi j'étais gênée. Et là je suis pas bien. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je trouve ça mesquin, vicieux et méchant. Je viens à peine d'arriver, je connais personne. On me fait un procès comme ça. Shirley, donne ta version. Donne ta version. On t'écoute. C'est vrai, il y a eu un massage, il a duré 3 minutes. Tu étais mais après, c'était pas... Il dit que c'est pas vrai. Allez, arrête. T'es un mytho, Julia. Franchement, non, t'es un menteur. Non, je suis pas un mytho, mais pas 3 minutes. Arrête. Pas 3 minutes. Et ah oui, pardon. Non. Allez, Antonin, on veut savoir. Ce n'était pas spécialement un massage spécifique sur le dos. Ah. Le massage est descendu sur le bas du corps. Ça, par contre, non. Abuse. Elle était, comment on dit, en string. Ouais. Et j'ai glissé 2 pouces. Voilà. Non, mais là. C'était là. Quand t'es arrivé, c'était là. Et non, mais moi, je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Non, mais il y a raconté la vérité et il y a exagéré aussi. Me fais pas passer pour une alors que j'en suis pas. Faut pas exagérer. À un moment donné. À aucun moment, on a dit ça. Elle a tué personne en faisant ça. Ils avaient envie de se masser. Mais ça les regarde qu'eux. Mais assume ce que tu fais. Ne nous mens pas. Ça veut dire que c'est bien intégré dans la ville. Bah, bienvenue, Shirley. Ah non, mais là, elle pète un doigt, elle est choquée, elle part en bombe. C'est que t'as des choses à te reprocher, en fait, non? Tout le monde est jugé ici, c'est bon, hein? Maintenant, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour juger, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, faut arrêter de dire qu'on est contre elle. Voilà, la jeune, elle est pas capable de dire si un garçon est beau et que le soir, elle se laisse proposer. Dans ces cas-là, tu te laisses tranquille, genre, tu fais pas la meuf. Non, mais il y a personne qui est beau, je peux rien faire avec elle. Tu veux bien que tu mets le drap sur tes fesses? À la limite. Moi, Julien, je l'applaudis, hein? Allez, on applaudit Julien. Pour toi, j'assume parce qu'il n'y a aucune ambiguïté, elle ne me plaît pas. Non, mais attends, laisse-moi parler. Vas-y, il veut parler 2 secondes. Il veut parler. Il n'y avait rien d'ambigu, elle ne me plaît pas c'est du vrai. Tout. J'ai juste voulu la mettre à l'aise. C'est vrai. Et mais elle a bien voulu se mettre un string, je ne l'ai pas non plus forcé. Et moi, c'est comment? Tu voulais mettre à l'aise aussi? Ça se passe comment? Non, ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Toi, tu me plais, pas elle. Julien est comme ça, il est dragueur, il est séducteur. Quand il peut chercher, savoir s'il plaît, il le fait. Bref, ça, next, on met de côté. J'aurais une discussion avec lui. Mais la minette, elle aurait pu dire non. Et elle l'a pas fait, donc... Ouais, c'est ma gaz. Mais elle vient d'arriver, c'est pas bien. Hein. Non, mais arrêtez d'être toujours que dans un sens, les gars. Non, elle vient d'arriver. Ouais, mais Raph, il raconte ce que c'est la vérité, non? Ah, pourquoi? Tu vas passer la pommade? Non, mais elle vient d'arriver. Parce qu'elle vient d'arriver, c'est normal qu'elle se fait masser en string. Elle vient d'arriver, elle est toute seule, tout le monde se met contre elle, c'est facile. Ah, 15 contre elle, c'est facile, les frères, vous dire. Je comprends, Shirley, que c'est compliqué d'avouer quand t'as 15 personnes qui te tombent dessus. Je valide absolument pas ces manières-là. C'est des manières de faible.